La Stasi. La Stasi a été créée le 8 février 1950. La Stasi est le ministère de la Sécurité d'État, en RDA. Le siège de la Stasi se situe à Berlin-Est. Les dirigeants de la Stasi sont les ministres suivants. Wilhelm Seyser, de 1950 à 1953. Ernst Wolf Weber, de 1953 à 1957. Erich Mieck, de 1957 à 1989. Wolfgang Schwanitz, de 1989 à 1990. La Stasi est composée de 91 000 agents et de 175 000 informateurs. Il y a des hommes et des femmes. Ils représentent 1% de la population de l'Allemagne de l'Est. Les agents de la Stasi font partie de la police secrète. Ce sont des espions. La Stasi est appelée le bouclier et le glaive du parti. Elle a pour but de traquer les opposants au régime. La Stasi a recours à la décomposition. La Stasi possède de nombreuses prisons. Les détenus sont menottés par les pieds à des grillages. La Stasi est détestée en Allemagne de l'Ouest. La Stasi est dissoute entre 1989 et 1990. Après la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Suite à la dissolution de la Stasi, de nombreuses personnes dévoilent les actes de la Stasi. La Stasi existe toujours. Ce n'est plus la sécurité d'État, la Stasi, mais la sécurité nationale, la Nazi. Le film La vie des autres illustre la Stasi. Il décrit une opération de la Stasi.